Et là est le semi-remorque qui est rangé jusqu'en mars. La saison est terminée pour le team Luquin avec, pour sa deuxième année d'existence, 2 titres sur 3 récoltés par les pilotes de l'équipe de Ludovic Luquin dans le championnat de supermoteur. Cette année, c'était vraiment bien passé puisque on a eu un titre à la clé. Donc c'est signe que notre travail a été quand même performant. Malgré ce sacre national et la reconnaissance de ses pairs, la notoriété n'est toujours pas au rendez-vous du championnat supermoteur. Pire encore, le manager Aubois ne bénéficie d'aucun soutien dans la région et le département. Alors qu'il possède la plus grosse écurie française digne de ce nom. Bah disons que le travail est quand même assez reconnu au niveau national et international, hein, parce qu'on a beaucoup de visites de l'étranger sur notre site internet. Maintenant où j'ai beaucoup plus de mal, c'est avec la région, où dans la région on est vraiment inexistant, quoi. Ça, c'est quand même assez difficile à vivre. Qu'importe, grâce à sa structure privée qui lui permet aussi de se tourner vers l'événementiel, Ludovic Luquin a de quoi perdurer grâce aussi à plusieurs sponsors. L'an prochain, il peut donc rêver à une autre saison dorée. L'an prochain, ce que je me suis fixé surtout, c'est de continuer sur la même voie et faire le même travail, en essayant d'avoir les mêmes résultats. Évidemment, chaque saison, tout est remis à plat et on repart de zéro. Donc ce que je veux, c'est essayer de continuer à fournir surtout beaucoup d'efforts de la part du team, de l'ensemble de nos partenaires, et puis de réussir à effectuer au minimum une saison semblable, quoi. Luquin, une écurie qui a fait son trou dans le championnat supermotard, reste à présent à concurrencer l'Europe et pourquoi pas faire la nique aux Américains, véritable roi de la piste.